Aujourd'hui, plus de 9 millions d'enfants sont réfugiés de par le monde. Et tous n'ont pas accès à l'éducation. Parmi eux, des enfants réfugiés d'Érythrée au Soudan. Vers la frontière avec l'Érythrée se trouve le village de Wadi Chérifé, qui accueille une école primaire et secondaire depuis 1988. Entre 500 et 800 enfants y sont scolarisés. Malgré un contexte général d'insécurité au Soudan, ces jeunes déracinés tentent de retrouver un sentiment de normalité et de stabilité dans un cadre scolaire qui leur permette de garder un lien avec leur langue, leur culture et leur histoire grâce à un cursus adapté. À ses débuts, l'école a pu bénéficier de soutiens divers, de la part d'organisations internationales ou encore d'associations caritatives. Pourtant aujourd'hui, ces aides se font de plus en plus rares. Et certains parents, par manque de moyens, doivent renoncer à faire scolariser leurs enfants. Et parfois même, les envoyer travailler pour la survie de leur famille. L'objectif du projet en faveur de l'école de Wadi Chérifé est de permettre aux enfants les plus pauvres de reprendre le chemin de l'école et aux autres de poursuivre leur formation dans un cadre adéquat. Car l'éducation est un droit fondamental de l'enfant et le meilleur moyen de le protéger du travail forcé, du recrutement militaire ou de toute autre forme d'exploitation. En agissant ensemble, nous donnons une chance à ces filles et ces garçons de grandir, de se réaliser, et nous les aidons à changer leur avenir. Parce que des enfants plus forts construisent des communautés plus fortes.